Monsieur le président de l'UTEL Sikasso, monsieur le représentant du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, Mali, mesdames et messieurs les responsables de programmes et animateurs des médias de la région de Sikasso, nous voici à la fin des travaux de notre session de formation et de plaidoyer à l'intention des responsables de programmes et animateurs des radios de la région de Sikasso. Durant 4 jours, vous avez participé aux travaux de la session avec assiduité et fait des contributions riches et variées qui ont permis d'atteindre les résultats, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ceci est la preuve de tout l'intérêt que vous accordez aux questions de santé de la reproduction, planning familial, scolarisation et maintien des filles à l'école et de violences basées sur le genre. À cet effet, je voudrais, au nom de la délégation nationale, féliciter et remercier le bureau UTEL de Sikasso, vous les hommes et femmes de médias venus de l'ensemble des cercles de Sikasso, et à travers vous, les différents organes que vous représentez. Merci pour le Mali, merci pour vous-même. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que le processus dans lequel nous nous sommes engagés doit nous conduire vers la mise en œuvre effective des engagements pris par notre pays lors du sommet sur les 25 ans de la Conférence internationale de population et développement tenue à Nairobi du 12 au 14 novembre 2019. Notre pays a toujours été cité parmi les pays pilotes pour ce genre d'exercice. Donc faisons en sorte que nous puissions maintenir le cap. Et pour cela, nous comptons sur l'accompagnement de l'ensemble des médias de la région de Sikasso. Je ne saurais terminer sans remercier notre représentation régionale aussi, à savoir la direction régionale de la planification, la statistique, de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population, notre partenaire stratégique qui est le Fonds des Nations Unies pour la population, le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, Mali, pour tous les appuis multiformes dont bénéficie notre pays dans le cadre de la gestion des questions de population. Et c'est sur ce que je voudrais souhaiter à toutes et à tous un bon retour dans vos ménages et vos services respectifs. Sur ce, je déclare clos l'atelier de formation et de sensibilisation des responsables de programmes et animateurs et médias et la région Sikasso sur les thématiques du projet Suez. Je vous remercie. Thank you.